Quelques 235 candidats à l'exil ont été secourus en Méditerranée. Ils ont débarqué ce jeudi au port d'Augusta, en Sicile. Ils sont originaires d'Érythrée, d'Égypte, du Soudan, mais aussi de Syrie. Et il semblerait qu'ils soient partis des côtes égyptiennes, mettant le cap sur l'Italie. Parmi eux, des hommes, des femmes et de nombreux adolescents. Par ailleurs, le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, redoute jusqu'à 500 morts dans le naufrage d'une embarcation partie de Tobrouk à l'est de la Libye, juste à côté de l'Égypte. Des survivants secourus en Grèce ont expliqué avoir pris la mer sur un bateau transportant entre 100 et 200 personnes, puis avoir été ensuite transférés sur un autre bateau, plus grand, qui transportait déjà des centaines de passagers. Ce bateau a chaviré, puis coulé au moment du transfert. Nombre de ces passagers étaient originaires de la Corne de l'Afrique.